Ah oui, écoute, mince, je me détends. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors. Je suis belle douche. Ah oui, ça je veux bien. Je veux bien, mais j'aimerais avoir le plaisir. Ah, oui. Far Cry 2. Jamba 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 jamba. C'est un joli baobab. D'ailleurs, les baobabs. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Baobab, j'ai vu ça dans un reportage télé ce week-end quand j'étais invité par la famille. Les baobabs peuvent se faire défoncer parce que c'est une réserve d'eau en fait au niveau de leur énorme tronc. C'est des éponges à flotte en fait. Et ils sont défoncés par les éléphants qui viennent se rafraîchir en aspirant leur leur tronc là, leur flotte dans le tronc au baobab. Et je savais pas. Et ça peut donner des énormes cavités de grottes en bois quoi en fait. C'est dingue à observer. Je ne sais plus du tout ce que je faisais, ce que je devais faire. Oh mon Dieu. Ah oui, il fallait que je reprenne les points de contrôle en un. Je pouvais me barrer d'ici parce que j'avais, de manière assez bordélique, je dois avouer, pris le contrôle de cette base, qui est superbe d'ailleurs. Tout ce bois. Et moi qui me promène avec un lance-flamme. Ça fait peur, ayez peur. Pipi papi pou, chibidi bibidi pou. Wow. Oh, je fais du foot avec le tonneau. Ah, la physique du jeu qui est impeccable. Ah, ça me plaît. C'est intéressant. Ah ouais! J'avais bouffé les 4 seringues. Oh la vache. Me barrer en bateau est pas forcément une mauvaise option. Ah si, parce que par rapport à là où je veux aller, c'est sec. Ah merde! Ah, mais au nord, il y a des... Oh, prout. Prout. Est-ce que j'y vais à pied? Bah, finalement, je vais peut-être prendre le bateau. Pour... Pour atteindre la zone que je... J'ai tout fait péter, moi, c'est la folie. Ça y est, je veux des changes africains. Déconne pas. Non. Cette rive? Sérieux? Sérieux?
Sérieux? Vache! Ah, j'aurais pas cru. Ah, ils se sont fait une joie de les planquer à droite et à gauche, hein, les concepteurs de la carte. Mazette. C'est beau. Ah, il y a un autre navire. Ok. Merde. J'allais dire, j'en ai trop demandé à mon ordi une seule fois, là, pour que je me calme. Alors, comment nous y prendre? Oh, cette musique. Ouais, il y en a un qui est pas trop loin. Non, je peux m'approcher de l'arrière du bâtiment, visiblement. J'aurais pas de résistance. Et non, je n'ai pas le sentiment. Personne? Non. Vous êtes sérieux? Il est en tourloupe, c'est pas possible. Ah, désolé, mon ami, aucune commande spéciale pour l'instant. Demain, peut-être. D'accord. Et où, ça va? Bon, bah j'ai un véhicule de patrouille qui devrait pas tarder à revenir dans l'autre sens. Que je vais sniper. Je ne sais pas viser, je ne sais pas viser, je suis consterné. Ils sont parvenus à me neutraliser. Lui déjà il est mort. Et lui aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Merci. Il veut quoi? Il sort lui. Bah. La vache, ce con, je l'ai pas vu. Il sort d'où le mec? Ouais, je les ai bien snipés. L'autre il est là-bas au loin. Amperes. Oh, ce jeu de lumière magnifique. Merde, mais ça veut dire en même temps que c'est le crépuscule, ça craint. Ah, d'accord, je suis pas au poste de. Je comprends mieux maintenant pourquoi c'était inoccupé.
inoccupé, sans hostilité. Parce que je suis trompé en fait de bâtiment. J'ai envie de dire quelque part que je peux faire ça. C'est là que la cavalcade prend place. Oh merde, du diamant en plus. C'est la totale. Moi, il n'y a qu'un mec là. Ah non, ils sont deux. Non, non, j'en vois qu'un. Je sais pas pourquoi, mais... Oh, j'en connais qui vont mettre 3 heures à l'intérieur. Merde! Bon, bref. Bonjour la race moquette, comment que tu vas? Je suis déjà aveugle que tu sois parvenu à faire une bonne nuit là, que tu sois en forme aujourd'hui. Pour ton bien-être, bien évidemment. Ah oui, je savais que... Ah oui, bah d'accord, elle est... Ah, elle est bien. Oh, cette planche rebelle. Ouais. Fatigué, pas le moral. Oh! Bah moi ça va, écoute, je suis content, je suis... Je m'offre une semaine à faire mumuse, là. C'est pour ça que je diffuse en semaine. Il y a petit Seb qui va me rejoindre dans quelques minutes, peut-être. Pour du Starbound, l'aventure galactique poétique, là. Mais le fait que tu me dises que tu sois fatigué, que t'es pas le moral, m'attriste. Eh ben. Ah merde, je me fais allumer. Ah, ils m'ont abattu les chalots. Bon, bah j'espère que je vais pouvoir te changer des idées. Là, je fais mumuse en Afrique avec le Far Cry 2. Et j'ai mal géré mon assaut. Ah oui, il y avait bien un deuxième mec. Ah. Un peu de chance, je crois, pour me vanter de l'avoir eu. Voilà, comme ça va bien cuire. Voilà, je mets bien au milieu de la route mon véhicule, histoire qu'il flambe pas avec la brousse qui prend feu, hein, par mes soins évidemment. Et je vais aller y reprendre. Entre ma mère à l'hôpital et d'aller à la formation m'énerve. Ah oui, dur. Oh merde, il y a un dépôt de munitions qui a pété là. Vache. Oui, bah courage avec ça, Lars Moquette, dur. Effectivement, c'est une actualité personnelle qui est plutôt douloureuse, je conçois. Courage. Génial, il y a toujours une planche rebelle visiblement. Ah oui, il y en a toujours, c'est systématique. Bon bref, je passe en dessous. Heureusement que je peux m'accroupir. Alors. Pas le choix, je vais y aller à la formation, mais si ça va pas, j'en aurai des problèmes. Génial, le mec m'a écrasé. Ouais, bah ouais. 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 Ouais, bah bon courage avec ça, la race moquette. J'ai un emmerdeur qui est arrivé par là en bagnole. Mmh.
derrière Kang. Autant que je le snipe. Ah voilà. Merci. Ah oui, on est toujours la planche rebelle, hein. Y a rien à faire. Ah bah, tiens, j'en ai une deuxième. Et merde. Heureusement qu'il y a deux accès. Oh pardon, excuse-moi si je t'ai fait flipper au niveau du tir. Oui, c'est assez violent le tir de sniper. Le fusil fait un boucan d'enfer. Je me fais immédiatement repérer après. Bon, allez, je sauvegarde parce que j'en ai marre de redémarrer 10 000 fois la même manœuvre. Là, j'ai enfin réussi proprement le... C'est surtout le son du jeu qui est fort. Ah oui, par rapport à ma voix, ouais. Ah, c'est pour s'inspirer de l'ambiance africaine. C'est bouja. Et puis, je me tiens loin de mon micro. Je dois avouer que je me tiens loin de mon micro aujourd'hui, donc... ça aide pas. C'est ma faute, je plaide coupable. Ah, post-réquisitionné. Enfin, perquisitionné. Surtout que ça n'est pas pété d'ailleurs. Ah ouais. Ah génial, ils ont balancé les tonnes d'explosifs là-dedans. Ouais. Tout va bien. Bon. J'ai le poste. Oui, c'est même un point de sauvegarde tout proche qu'il va falloir que j'aille déverrouiller. Avec plaisir. Bah, j'ai l'embarras du choix au niveau des véhicules merveilleux. J'en ai trois à disposition. Je sais pas, beau chat. Ah oui, il y avait le moustique. Bah, même 4 si je compte sur les véhicules civils, mais on a pas loin. J'ai absolument pas envie d'aller à la formation et de faire 9h-17h. Ouais. Je t'avouerai que je sais pas quoi te répondre là à ce maquette. Je suis désemparé par rapport à ta situation. Il n'y a plus qu'à espérer que tu fasses des belles rencontres sur place, quoi, j'ai envie de dire. Que l'expérience soit agréable à vivre. Attends, il y a un truc bizarre. Où ça? Là, on va jeter un œil. Je vois ça, ma formation, si ça va pas, ouais, bah, tu vas sur place. Il a encore envie, lui. Putain, j'en ai pas. Vache, ça t'impresse mon véhicule. Affolant. C'est affolant. Il n'y a pas de diamant là, non? Il n'y a pas de diamant. Par contre, il faut que je commence à faire gaffe à mes munitions, moi. C'est quoi ce truc rouge? Ah, c'est une gamelle retournée. Faut que je fasse gaffe à mes munitions. J'en ai moi. Et eh ben, je vais peut-être faire dodo là pour le coup. Parce que la nuit dans le jeu c'est risqué. La bonne blague.
La bonne blague. Je sais même plus comment on fait. Ouais, faut que je mette à 6h du matin. Et je valide. Normalement, je fais passer la nuit. Oh, il y a eu de la flotte. Oh, ah bah d'accord. Matinée sous la flotte. Putain, la vache. Ça déconne, Géro. D'accord, on va dire matin pluvieux, matin heureux. Là maintenant, ce serait bon que je fasse une inspection au sud. Je crois savoir. Vérifions ma théorie. J'étais sur la route toute la chaîne journée. J'ai pas vu le dos de la cimetière. J'étais sur la route toute la chaîne journée. Oui, je sais, vous êtes là, venez. Aujourd'hui la pluie. Oui, je bois un coup, tu as raison, merci Moquette. Là ouais, je moquette. Oui. Tu fais bien. Oh merde, j'ai de la compagnie. Café au lait délicieux. Voilà, ça c'est fait. D'après la signalisation, il y aurait une armurerie. Ça me plaît beaucoup. J'ai besoin de munitions, moi.
Eh ben dis donc, si ça c'est pas un horrible carnage. Doudou, je crois qu'il y a plus grand monde là. Ah si, il y a encore quelqu'un. Ça, déplace-toi, déplace-toi. Essence, merde, dommage. C'est vrai que j'ai plus rien dans le. C'est pour ça que je vais à l'armurerie, évidemment. C'est pour refaire le plein d'essence pour le. J'allais dire le jerrycan, le lance-lame. Ah. Du coup, il est où le gros? Ah, il est là. Bon, j'ai les loustiques qui vont arriver là normalement. Bah alors, ils sont désirés. Bon, bah ils sont désirés. Alors, si je suis au corps à corps, autant y aller à la machette. Ah bah tiens. J'ai de la... La boisson, maintenant, c'est une trousse à pharmacie qu'il nous faudrait. Voilà, comme celle-ci. Pas de diamant. Tiens. Ah ouais, il y a du boulot ici. Oh la vache, faut que je fasse sauter tous les cadenas. Joie. Putain, on voit les herbes qui dansent là-bas. À la chaleur. Il y a du vent, c'est excellent. On s'y croit. Ah voilà. Sauf que moi, j'apprécierais d'avoir des bidons d'essence. Alors ça, c'est pour le snipe, le grand fusil. Comment je fais pour recharger mon lance-flamme, les gars? Vous avez pas de jerrycan d'essence ici? Ah, ça va m'attrister. Il va falloir vraiment que j'atteigne le... l'armurerie. Oh. Bien gentil tout ça, mais... elle est plus si loin que ça, l'armurerie. Je peux presque y aller à pied. Ou ce serait propre pour me déplaire. Allez, une petite marche. Ça n'a jamais tué personne, normalement. Que je sache. C'est beau. Oh là là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. L'armurerie. L'armurerie. Il y a du peuple ou non? J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Et c'est tant mieux. Alors, le marché des armes, c'est horrible. On s'y connecte grâce à l'ordi.
Je veux surtout les équipements extra. Voilà, équipement c'est trop. C'est vrai, c'est encore verrouillé parce que j'ai pas assez avancé dans l'histoire. J'en suis quasiment à la moitié, hein. Quand j'ai rechargé ma partie, il me dit que j'en étais à 46% du scénario. Draguinov, machin, lance-grenade, lance-fusée. Ouais, je peux améliorer le matos. Lance-roquette, blablabla. Oh, le bordel. Le bordel. Alors, j'ai pris le fusil hypodermique, mais le problème, c'est que par défaut, il n'y a que 3 fléchettes. C'est très peu. Et il faudrait que je me déverrouille la sacoche de. Je sais plus, je crois que c'est la bandoulière de snipe. Et là, ça sera plus amusant. On va pas se voiler la face, ce sera plus marrant en ce moment-là. Ça va pas tarder à venir. Mais ce moment n'est pas encore venu. Voilà. Allez, je refais le plein. Tali, tu as refait le plein. Tu as refait le plein. Ouais, bah je vais reprendre des exemplaires neufs de mes armes. Au moins, je serai pas trahi par le matos. Au niveau fiabilité, on sait jamais. Voilà, c'est cool. Oui, non, là, oui, non, là. Oh, j'ai une jolie Jeep qui m'attend. Trop délicate, attention. Oh, le bordel! Wow, j'ai encore 7 postes à faire sauter. Enfin, revendiquer. Ça va me rendre chier. Toi d'abord. Oh l'autre! Ah! Il a réussi à éteindre le fait que je lui ai cramé sa chemise. Je pensais qu'il allait cramer sous mes yeux, mais non, finalement. Je suis deg. J'aurais dû l'avoir. J'aurais dû l'avoir. Attends, c'était là, le gars. Hop, je vais le cueillir à la grenade. Ce sera encore plus drôle. Hop, ma petite aiguille de lance-lame. Allez, tiens, mange. Bien joué. Bon. Bref. C'était ridicule. Comme chaîne d'action. Ouh, attends, il y a un chemin à suivre là. Bah oui, le campement, il est là. Faut que j'aille libérer, faut que j'aille voir là. Mais... Ah, ils sont là-haut. Jette là les gars. Oh! Comment que je l'ai renversé? Eh bien. Ah. J'aurais eu le culot d'avoir tenté de le. Comment ça, l'heure du chargement? Non! Non! Non, c'est scandaleux. J'ai fait une sauvegarde qu'il n'a pas aimée. Dans le feu de l'action, il supporte pas. Ça, je peux pas charger? Bizarre. Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre. Ah bah oui, merde, je les avais pas lootés. Oui. Je suis là. Oh,
Alors, un peu radical, mais... C'est vrai que cette Jeep de qualité signée vraiment Jeep, ce pilote nuque, j'ai des tentatives d'assaut. Ah oui, merde, c'est vrai que on est. Oh. J'ai des tentatives d'assaut très culottées, ce qui explique mon taux d'échec. Mais bon, ça fait du spectacle action. Comme dans les bons films américains. La 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 la. Alors. Ça y est, ils arrivent. Oh. Oh, 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 oh. Comment qu'ils m'ont eu, les salauds. Oh, les enfoirés, ils ont trop bien joué, j'ai trop bien. Ils m'ont rendu ma monnaie de ma pièce, comme on dit. Oh la vache! Alors là, par contre, le souffle de l'explosion était impressionnant. Parce que je pensais m'être suffisamment éloigné de mon véhicule pour que l'explosion ne m'affecte pas. Ça m'a tué sur le coup. À croire que le capot s'est décroché et est parti en ma direction pour me décapiter. Franchement, ça fait l'effet là. Oh là là, mais c'est abusé. Bon bah, je vais les patater au snipe. Je vais les aligner dans l'axe de la route et pan. Il n'y a que comme ça que je vais les avoir, les salopards. Ça va pas être possible autrement, visiblement. Les yeux me refusent mon assaut. Voilà, brûle bien. Donc ce qui est dommage, c'est que c'était un véhicule qui avait le lance-grenade. Je sais pas si je peux sauver le véhicule. Ah, peut-être. On est fou, on l'attend. Ah! Je vais récupérer leur véhicule, dis donc. Ah, coup de bol. Et avec le lance-grenade, c'est beaucoup plus amusant. Que là d'ailleurs mon assaut va être différent. Ah, magnifique. Planque débloquée comme ça, c'est... Wouh.
C'est efficace. Excellent. Oh là là. Ils étaient de cormis de pommes de terre. Oh, ce paysage africain. Pas de diamant? Pas de diamant. Oh. Pas de diamant. Pourquoi marqué d'une croix? Ah, c'est... Ouais, bon, bref. Ouais. Le servir d'entraînement pour les mercenaires, mais c'est assez particulier. Pour voir comme ça. Attends, il y a une route par là. Ah oui. Je peux y aller en bagnole ou pas? Ça m'intrigue. Passer en bagnole. Elle est où la valise RTL là, avec le diamant dedans? Elle est au-dessus, je sais. Ah, oh vache. Ce carnage. Oh, 3 diamants d'un coup. Sympa. Généreux ça. C'est généreux. Pardon. Excusez-moi. Du diamant par là-bas visiblement. Ouais, dans la formation rocheuse il y a un truc tout proche. Ouais, j'ai compris, t'excites pas davantage. Il y a une mallette dans le coin, il y a un moulier en cadeau. Il y a une mallette dans le coin. Qu'est-ce que... Ah bah là. Au pied de l'arbre, tout simplement. Oh là là, encore 3. Putain, mais c'est pas possible. C'est la montagne au diamant. Ah, il est mignon le buggy. T'es bugué. Non mais moi je regarde stratégiquement ma Jeep avec lance-grenade parce que je peux faire mon Rambo. Le plaisir est immense. Le plaisir est immense. Faut que je retourne au sud. Je sais même plus par où j'étais arrivé, moi. Ah oui, non, c'était plus là-bas. La route, elle est... Bonjour, petit Seb. Comment que ça va? Je suis lundi matin. Je me promène déjà en Afrique. Alors qu'il n'est pas encore 8h. Bien, tu es tombé du lit ce matin. Bah, en fait, je me suis naturellement réveillé comme si j'allais bosser. Donc, je me suis réveillé à 6h du matin. Donc c'est bien, j'ai pu faire 2-3 petites tâches ménagères tout ce matin avant de lancer mon direct sur Far Cry. Et voilà, paisiblement, tu me diras quand tu seras prêt pour Starbound, tu pourras le faire. Ça va, je me réveille, la tête dans le cul. Oui, bah prends ton temps, fais-toi plaisir, prends-toi un petit déj tranquillou, puis on démarre dans 1 heure Starbound si tu veux, pas avant. Ça te permettra de paisiblement décolmater. C'est toi le chef, c'est toi qui dis petit Seb. Quand
je veux repartir dans l'espace. Dans l'espace intersidéral. Cette histoire de fou. Ouais. Doki doki, petit Seb. Bon réveil à toi. J'ai la guerre. Ouh, il y a du monde là-bas. Ouh, il y a du monde. Ouh, ouh, du. Il est mort. Oui, merci. Enfin, le direct se passe bien, c'est rigolo. Oh merde. J'ai tiré sur le truc qui brûle, moi. Ah bah j'ai flingué la véhicule. Comme une vieille. Mais c'est un poste à revendiquer là où j'ai tiré comme un abou ou Oui. Ah, il y a quelqu'un. Ah la vache, il y a tout qui pète là. Ça laisse tomber. Je vais attendre que ça flambe là parce que c'est. Wouh! C'est la violence. J'attends que tout soit cuit à point. Oh. Ah, je cherche à faire péter le véhicule pour rigoler. Oh oui, magnifique! Streak. Ya 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 ya, je savoure mon café au lait matinal. Carillon des 8 heures du matin. Ray. Le carillon des 8 heures du matin. Dessus, mais je sais pas, ah, c'est bon. Allez. Encore? Ah oui, il y a un mec derrière. Bien vu. Ah, c'était nombreux, dis donc. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Il faut que je fasse gaffe parce que ça peut encore péter. Il y a encore des flammes à droite à gauche et il y a encore des containers à gaz ou explosifs. Des produits inflammables. Oh! Il y avait de la bouffe ici. C'était le traitement de la récolte locale. Alors, où est-ce que je revendique le... Adion. Ah bien ça, ça recharge mon lance-flamme, le lance-flamme du P-Woman. Ah, elle est où la caisse de munitions à revendiquer là-dedans? Que je puisse officiellement perquisitionner ce poste de contrôle et passer au suivant. Non mais là je l'ai dans les dents parce que j'arrive même pas à lire le... L'endroit. Bonjour Arsenus, comment que ça va? Oui, c'est lundi matin. Pote de fouet. Pote de fouet. Ça va bien? Moi, c'est cool. Bon, moi, ça va tranquillou, merci. J'entame une semaine de repos, donc je suis content. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien, sachant que j'ai eu le plaisir de voir la famille hier. Donc ça change les idées, c'est cool. Oh! Des bottes de foin en lévitation. Wouh! Bon, sérieusement, j'ai toujours pas retrouvé le point de revendication là dans ce merdier. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Oh. N'oublie pas que j'ai fait péter le...
Je me suis déjà fait avoir, à force de tout faire exploser, de péter le point de revendication. Donc du coup, je suis obligé de revenir plus tard et refaire l'assaut pour valider ma prise de contrôle. Et j'ai peur que ce soit mon cas ici. Merdoum, en général, c'est soit la caisse de munitions, soit la grosse pharmacie accrochée à un poteau. Sauf que nulle part je vois ni l'un ni l'autre. Merde alors. Ah là voilà. C'est ça. Voilà. Bon. Fallait que j'ouvre mes yeux. La suite est pas très loin. Hein. Ouais, je vais faire le... Merde, je peux pas bouger. Faire la zone là et après j'en reviendrai plus ou moins. Ah ça y est, j'ai déjà un équipe déjà un truc. Qu'est-ce qu'ils font? Attendez. Je vais aller voir ce que font les ouvriers là parce que ça tape un peu fort. Je pense d'ailleurs que vous entendez sûrement les frappes. Bricole un truc en bas, c'est quoi? C'est bien ma veine. Ils sont garés juste devant chez moi. Alors que les travaux ont lieu chez la voisine. Mais bon, je suis plus assez prêt. Bref, suite de l'aventure. Ah, je me suis fait abattre. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait... Ah, moche. Oh, mais non, mais... Qu'ils arrêtent avec l'erreur de chargement, bordeloum. Oh, j'ai la sauvegarde rapide qui est même plus opérationnelle. Excusez-moi. Faut dire aussi, c'est la première fois que je les vois à deux camions. Alors, ils sont à la bourre dans le... C'est un ravalement de façade que fait ma voisine. Des quatre façades. Et normalement, elle aurait dû... le chantier, pour tout vous dire... Hé, il me remet loin, ce studio. C'est quoi ce délire? Ça aurait dû se faire du 15 juin au 14 juillet. On est le 24 juillet, là ils sont à deux camions d'ouvriers pour essayer de finir le chantier. C'est dire à quel point ils sont en retard et qu'ils ont très mal évalué les délais. Enfin bon, bref. Et je dois recommencer mon assaut de... Bah merde! Là je me retape tout un pan de la séquence que j'ai faite. C'est idiot. Vraiment. Ah oui, il y a les diamants aussi de l'autre côté de la colline. Putain, c'est la folie.
Waouh! Oh, on voit que le capot a giclé sur un mur invisible. Mais c'est fou ça que la sauvegarde rapide soit plus opérationnelle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là maintenant faut que j'attende que le... Ah bah non, en allant dans la cabane ça va casser l'incendie. Mais c'est chiant de refaire la chasse aux œufs, j'allais dire aussi. Aux diamants. Oh c'est abusé, pourquoi ça fonctionne plus? Alors je retourne là-bas. Merde, ah bah bravo, j'avais réussi la première fois, j'y parviens plus. Voilà. Voilà, la mérite est ici. Ah bah. J'endommage le véhicule, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Oh, je vais y aller à pied pour votre mallette, parce qu'elle est pas si longue que ça. Hein. Ça marche pas, la sauvegarde rapide. Alors ça me choque. Ça me choque. Les diamants sont par là-bas. Je te laisse, j'ai un petit peu ménage avant ton direct. Ah bah bon ménage. Mais merci, c'est gentil, Arsenos. Et puis bon direct à toi. Ah, là. Non moi ça va, j'ai réussi à faire mon ménage du jour tout ce matin. Entre 6h et 7h du mat, c'était bien. J'en ferai peut-être même un peu durant ma pause déjeuner tout à l'heure. Après avoir fait du Starbound avec l'ami Petit Seb. Bon. J'avais dit. Oh oui, oh là là, les trucs à refaire, mais c'est énorme. Merde, j'ai mal. Aborder le virage. Pas évident la marche arrière. Pas évident du tout. Voilà, allez, marche avant. Oula, je sais plus, c'est sans dessus dessous. Attends, je vais peut-être éviter de rouler sur le feu de camp. Ce serait peut-être malin de pas foutre le feu au véhicule. Tu vois pas commencer à me faire suer. Oui, non, faut voilà. Attendez, je vais faire une grosse sauvegarde physique, comme j'ai encore jamais faite. Juste pour voir. Que je sois certain que je puisse bien progresser et pas me recoltiner ce que je viens de faire. Parce que sinon, c'est d'un ennui mortel. Vous en conviendrez avec moi. Voilà. Attends, c'est pas la bonne route là, qu'est-ce que je fais? Mais non, je suis pas dans le bon sens. Oh le nigo. Ah
Je n'ai pas du tout pris la bonne direction. Ouais, non, on va oublier surtout pas. Oh, diamant. Diamant dans le secteur. Voilà qui est troublant. Alors, diamant dans le secteur. Il y a une carcasse, c'est suspect. Ça clignote, c'est la valise RTL, je l'ai retrouvée. Donc ici nous sommes... Ah oui, le poste de garde est là-bas. Ah, il me demande si je peux pas... Ici. Ouais, allez, j'ai fait de la merde, j'ai perdu des balles pour rien. Je surcompte plus rien du tout là. Non mais je crois qu'il y a du monde par là-bas donc. Faut que je tire bien loin pour que ça flambe. Si j'ai pas merdé mon tir, ça va bien cramer. Très bien, je vois que le feu prend. C'est une excellente nouvelle. Peut-être faire baume. Parce qu'ils avaient des explosifs sur place, je m'en souviens. Ah, j'ai cru que c'était un mec, mais non. L'incendie c'est déjà bon. C'est un chien, que voulez-vous? Ouh, il y a sûrement encore du monde. Où je me méfie. Mais oui, le v'là, tiens, le premier zigoto. Comme si je le voyais pas. Ah merde, on sent un homme à terre. Putain, il est salement touché. Bon, pour le port. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent, ils dansent la Macarena, ils tirent une fusée de détresse pour appeler du renfort. Ah, sympa ça.
Ah! Ils m'ont bien eu. C'est fou ça, échec de chargement. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ce bug? C'est la première fois que je l'ai. Quand même malheureux. J'ai mal au rouge. Alors, il est vrai que j'ai beaucoup de sauvegardes et j'avais essayé de manuellement virer les fichiers, mais j'ai jamais su les localiser dans mon disque dur. Je sais pas où est-ce que Far Cry les a planqués, les sauvegardes. Je pense que si je pouvais déblayer à la main une centaine de sauvegardes, ce serait bien. Merde, je sais en plus que c'est la mauvaise direction. Oh là 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 là. Le temps que je réagisse. J'attends déjà. Oui, non, je voulais passer par là, et oui, puis il y a le diamant avec la carcasse, voilà, qui est là. Il y a le petit diamant cadeau. Bon, bah technique chiante de sauvegarde, la grosse bien manuelle, hein. Excusez-moi du peu. Ah, puisque l'automatique ne fonctionne plus. Confort, où es-tu? Aborché. Oh mon dieu, et détail de la mission. La chute de l'Eboa Sako a imposé un cessez-le-feu dans le sud. Greaves n'a pas apprécié que Tambosa négocie un nouveau statu quo au lieu de se battre. Il m'a engagé officieusement pour aller sur une île du lac Segolo et amener les armes du Chacal par bateau à Port Selao. Ça devrait faire croire à Tambosa que l'UFL joue double jeu et qu'il est temps de réveiller la PR. Oui, là on est en... Alors, non seulement on est en période de cessez-le-feu, mais en plus, vous aurez remarqué qu'au niveau maladie, je n'ai étrangement plus la malaria. Ce qui m'arrange énormément. Oh, magnifique. Bon, on va y avoir les autres trolls qui vont arriver en véhicule. Je les attends. Ou pas. Oh, je suis là. Pas l'impression qu'il soit motivé de venir me déloger de là où je suis. Bizarre. Ça bouge ou je les ai eus joyeusement là. Alors je vais essayer de tirer sur un bidon d'explosif. Voilà. Avec un peu de chance, ça va faire le ménage automatiquement. Bien avec un peu de chance. Là aussi, sauvegarde à la noix. Ah. Ah, il y a quelqu'un qui arrive en véhicule. Enfin, s'ils y parviennent.
C'est une entreprise fastidieuse là, visiblement. Oh là 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 là, je sens que je vais avoir affaire à des comiques. Je suis là. Quoi? Qu'est-ce qui m'a tiré dessus? Ah, bien vu, salopard. Ah, les blagues. Ah, 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 ah. Je les ai eu. Les petits malins. Non. Attends, j'ai entendu un véhicule. Où ça? Ah! Juste devant moi, putain, je l'ai même pas vu arriver. Heureusement que je l'ai vaguement entendu. Putain, la roue qui gicle, trop drôle. Oula, le feu de brousse. Oula, là, le feu de brousse. Vite, 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 vite. Que j'aille au volant de mon truc et que je me barre devant. Ça va bien flamber, là. Wouh! Bah, j'allais dire le jeu qui suit. Qui c'est qui m'allume? D'accord. Wouh! Mais quelle action! Oh là là, c'est magnifique! Évidemment, je ne résiste pas! Voilà. On n'en parle plus. Deuxième incendie. Youhou! Le temps que leur réservoir se vide bien sur la. Hein, dans la savane. C'est du tout cuit! Bienvenue dans les flammes de l'enfer. Ouf, comment qu'il est mort lui? Wouh! Voilà, on y croit. Que je parvienne à tout revendiquer dans ce bazar. Dans ce boxon. Oui. Recharger le fusil de snipe est un bon réflexe. Je vais refaire une sauvegarde bien grasse sous vos yeux. Oui. Est-ce que j'ai bien progressé? Parce que j'ai bien progressé, je vais pouvoir sauvegarder. Réactualisation qui dure 3 ans. Oh mon dieu! Excusez-moi, la casse de rythme, on va s'endormir. On y croit, on y croit. Oui! Parti, sauvegarder avec succès. D'ailleurs, la chute du succès chez... Ah oui, j'avais dit que je faisais le poste là-bas aussi. Allez, on continue notre route. Un peu plus au sud. Un peu plus près des étoiles, à la frontière, je sais plus c'est quoi la chanson des mille images, là. De réveiller les êtres du temps. Un peu plus près des étoiles. Aïe. Attention! 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 Attention!
Ah oui, d'accord. Je me disais aussi. Je comprenais plus. Je n'arrivais plus à lire la trajectoire des balles, voyez, qui m'était destinée. Donc, on va la refaire. C'était bien face à moi et non pas derrière moi. Je deviens parano. Oh, il va falloir que je me rassoie dans mon siège. Là, je suis en train de me laisser crouler, mais je me fais mal au dos. Dos droit. Attends, je vais laisser le véhicule dans son élan le temps de me rasseoir. De toute façon, la pente naturelle fait que le véhicule, dans son inertie, continue à avancer. Voilà. Là. Voilà pourquoi. Ouch. Ah bah ça flambe de leur côté. Vache, ça devient désertique par là. Évidemment, tout explose à hein, cette distance. Mais alors, le fait qu'ils arrivent en trombe avec cette configuration de route, je peux difficilement les aligner puisqu'on est dans non seulement en virage, mais vous leur observez en côte. Donc c'est la double peine pour pouvoir viser avec mon dispositif de grenade incorporé à la Jeep. Je l'ai dans le baba. Donc, je vais devoir mener mon assaut du fer à main. Parce que, dans l'état actuel, je l'ai dans les dents. Je l'ai dans les dents. Je l'ai dans les dents. Attends voir. Attends voir. Est-ce que je vois la façade de la planque? Oh, j'ai niqué leur véhicule, c'est le capot qui vient de gicler. Et normalement je dois avoir de la visite des moustiques là, mais je les vois pas. Ah non. Je crois que c'était eux mais non. Bah alors, ils sont où les renforts de tout à l'heure? Du coup, ça me déstabilise. Attends, je vais y aller à pied. Surtout que ça flambe encore. Ah oui, j'ai bien fait gicler le véhicule. Vous voyez, le gars est bien mort, tu m'étonnes. Ah, c'est lui. D'accord. Malin le mec. Oh, panneau publicitaire là-bas au loin. Oh, avec une carcasse de véhicule, il y a peut-être un diamant dedans. Les fameuses mallettes, les fameuses valises RTL. Tant convoitées. Ils nous permettent d'acheter du matos sur le marché des armes. Bon, bah, bien. Oui, non mais si, non mais c'est énorme. Je devine la présence du diamant. Comme si j'avais été le concepteur de la carte.
C'est presque grossier, j'ai envie de dire. Mais quand on connaît la mécanique de jeu. Oh mince, j'ai foutu une beigne dans ma lampe. Vous puissiez voir ma frimousse aujourd'hui. Vu qu'il fait un temps gris. Et c'est une bénédiction en été d'avoir un temps gris, parce qu'au moins il va y avoir un peu de flotte et ça va hydrater les sols. Ah merde! Allez, venez, bande de sagouins, je vous attends! Voilà, magnifique. Oh! Oh mon Dieu! Oh là là! Ce numéro de contorsionniste! Oh là là, c'est très violent! Oui, chou, 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 chou. Le monsieur demande une désincarcération, c'est atroce. Dommage qu'il y ait l'incendie parce que je peux pas m'approcher davantage, mais waouh! Ah, c'est violent! C'est très très violent! Ça y est, je suis en train de cramer plusieurs plus. Ouch! Mais il va réussir à s'en sortir ou. Je veux voir le phénomène jusqu'au bout. Ah! C'est calmé. La physique du jeu est étrange par moment. C'est. Ah, c'est d'une violence rare. Remarquez, il a le pied au niveau de la tête. Hein. Il est. Vrai contorsionniste, le gars. Ah ouais, on l'a encastré dans le véhicule, c'est épouvantable. Wow. C'était rigolo. Bon. Oui, donc je disais diamant en perspective. C'est par ici, moi je dis. J'ai vu un panneau de. Ouais, il y avait un panneau de. Et il y avait une carlingue au pied du panneau. Donc diamant, moi je dis. Non? Le radar s'affole pas? Ah! Merci. Alors c'est peut-être pas. Non, ils l'ont caché là, les vilains. La récompense était ici. C'était un indice. Quand je vous disais que j'avais du flair. Oh, une petite marque pour se rafraîchir, ça fait du bien. Oh, ce cactus. Ce cactus. Étrange. La nature est prodigieuse. Alors, bus là-bas. Là, il y a un étang. Comment procéder? Je me refuse pas à l'idée de passer par la voie maritime. Que ce serait pas désagréable. Que ce serait pas désagréable. Attendez. Qu'est-ce que. Il y a eu un carnage ici. Encore du diamant? Ah oui. Carnage pour du diamant. J'ai plus qu'à récolter la mallette. Ah oui, là, il y a eu un règlement de compte entre contrebandiers. Ah non, c'est une cassette du chacal, dis donc. Hier, j'ai vu un gosse au bord de la route. Il avait peut-être 17-18 ans. Il portait un fusil à pompe à l'épaule et il y avait un soldat de la PR mort dans la tranchée à côté de lui. Une paire de bastos de calibre 12 lui avait littéralement arraché le buffet.
Le gosse tirait sur la jambe du type pour lui piquer ses bottes. Il avait l'air crevé, il avait l'air abîmé, épuisé. Vieux. Un gosse de cet âge-là devrait pas avoir une tête pareille. Non, c'est une œuvre du chacal, à la frontière avec le pays d'ailleurs. C'est moche. C'est moche. Le soleil dans la tronche, en banlieue, ça pique les yeux. Comité d'accueil ou pas comité d'accueil? Voilà, je vois que toi, mais. Bizarre autant qu'étrange, pourrait-on dire. Ouais, bah l'arbre va cacher le 1. Merci, le soleil. Au niveau du poste de conduite, c'est apprécié. Quelqu'un? Ah, il y a un buggy. Ah, mais non, mais c'est la boîte à bus. Ah, bah je vais arrêter mon véhicule ici, moi. Parce que la suite, non, je la fais en bateau. Oh, on dirait qu'il y a des trucs sur les sommets. Oh, il n'y aurait pas du diamant aussi par là. Non. J'ai aucune détection de. Pourtant, l'endroit est intrigant. Non. Mon imagination qui me joue des tours. Il n'en est rien, c'est le calme plat. Oh, j'aime beaucoup ce qui se dessine devant moi. Oh, puis il y a de la vie, là. Oh, la vache. Oh, ah oui, d'ailleurs, j'ai eu un doute. Au niveau d'un okapi, là, ou d'un zèbre. J'avais... Oh, les buffles. J'espère que je vais pas me faire défoncer par un buffle. Parce que je suis déjà fait défoncer par un zèbre. Donc, calmons. Oh la vache, les départs arrêtés qui nous font les zèbres. Ah. C'est moche. Attention le buffle. Moi je dis que par là-bas je vais tomber sur un navire. Et c'est là où je vais mal évaluer la situation, que je vais me taper à la nage l'étang. Ouais. Oh, de vases étendus là, sauvage. Oh, baobab. Il n'y a même pas l'ombre d'un diamant? Ah! Alors, attendez, je vais me faire le poste de contrôle qui est tout proche. Que je ne perçois pas encore, ce qui m'arrange pas. Je vois la fumée de leur campement, mais je vois pas le... Attendez. Merde, j'effraie les animaux, mais je vais me faire repérer, moi. Ils vont voir qu'il y a du grabuge. Wow! Mais ils sont dans la jungle! C'est une planque à l'entrée de la jungle. Bah merde alors. Véhicule, d'accord. Ah, ils sont là eux. Oh la vache. Bah ça va, tranquille. Merde. Je fais presque autant de bruit qu'un pachyderme en rude dans un entrepôt de porcelaine, moi. Faudrait que je revoie ma furtivité. Non ?
Attends, il y a un truc bizarre. Où ça? Là. Elle est là. Je vais vous tirer. Ah bah voilà. Il y avait personne d'autre. Efficace. Ils ont réussi à me blesser, les salopards. Mais j'ai réussi mon assaut du premier coup. Hop là, je peux me soigner. Je prends la trousse à pharmacie. Blablabla. Je ressors de là. Alors, les munitions de snipe commencent à manquer. Il faut vraiment que je fasse usage de mes balles consciencieusement. Alors, je croyais que je faisais face à un étang, mais j'ai mal lu la carte en fait. C'est un plateau. Ah, pirogue en bas. Ça devrait dire que la rivière a été asséchée. Alors là-bas, il y a un bordel. Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a des choses. Oh là, oh là, oh là, il y a du monde là-bas. Wouh! Je vais sauvegarder avec joie parce que j'ai une excellente position de snipe. Là, le spectacle, je vais vous l'assurer. Là, j'hésite entre commencer à dégommer les gens ou directement tirer dans le bidon d'explosifs et foutre le feu et les voir paniquer. Les deux scénarios me plaisent. Je n'y résiste pas. Violence. Et violence. Oh la vache, il y a du monde. Ils sont déjà trois là. Ah, lui il est mort. Eux, je leur mets le feu, c'est rigolo. Lui aussi. Et on n'a plus qu'à attendre. Alors eux vont être dans une panique, ils vont pas comprendre d'où j'ai mené l'assaut. Ils vont rien capter, ils vont flamber. Oh regardez-moi ça, ça commence. Allez, observons le spectacle. Voir quelqu'un courir. Ou alors c'était les flammes qui... Oh, oh là, ils sont en panique. Putain, mais c'est nimp. Mais ils vont jamais réussir à me rejoindre. C'est impossible. Tiens, j'ai tué le chauffeur. Allez, deux mecs d'alignés. Mais c'est nimp. Lui, c'est limite si je peux pas l'aligner non plus, il me reste 3 balles. Ah, il essaye de me rejoindre, je sais pas comment. Une station service. Ah. Il me reste 2 balles. Ah. Ah merde, je crois que je l'avais eu. Et j'ai plus de balles. Donc si je tire bien. Là-bas au loin, je les flambe. Et c'est ça qui est beau. Ha ! Ils sont planqués tellement qu'ils ont peur. Vous allez voir que j'essaye de tirer plus haut. Ah, c'est loin. Oh, il y en a là-bas. Vous avez pas vu eux. Merde, ça prend pas, il y a de la flotte visiblement. Ah non, fallait attendre que ça.
Oh les débiles. Oh, ils se prennent dans le dans les pirogues. Non mais c'est trop drôle là, je suis obligé de les cramer sérieusement les gars. C'est un grand n'importe quoi. Mais oui, il flambe. Tu m'étonnes. Là au moins je fais bien usage de toutes mes armes. C'est l'assaut idéal. Et c'est juste sniper, je pourrais m'améliorer en dextérité quand même. Parce que j'ai du gâchis de balles, c'est dommage. Mais je fais, j'irai honneur à la discipline puisque je tire quand même à longue distance. Donc ça va, je me... On va dire que je suis dans la moyenne pour un mercenaire de qualité. Ouais, le véhicule va exploser. Bam. Là, je suis sûr qu'ils sont morts. Sûr et certain. Impossible qu'ils aient survécu à ça. Les autres loustiques. Ah, ils ont peut-être pris la fuite. J'en vois un là. Dommage que j'ai plus de balles du coup. J'en ai le regret. Est-ce que j'avais des munitions dans le dans la planque? Je crois pas. Hein. Malheureusement. Malheureusement, malheureusement, il n'y avait pas de munitions planquées. C'est dommage. C'est dommage. Ah. Ça aurait été tellement rigolo que je puisse avoir une recharge de... de balles de sniper. Bref, c'est rigolo, mais c'est un poste à revendiquer, donc j'ai bien fait. Il faudrait que j'aille me présenter là-bas, là où ça flambe à la verticale. Parce que je devine le point de revendication. Ah, oh, c'est les oiseaux, ça. Oh la vache, ce carnage épouvantable. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de mouvement. Je vais peut-être pouvoir y aller paisiblement à pied. Ibi. Il n'y a plus grand chose à faire cramer, hein, vu tout ce qui est calciné. Allez, on fait une belle sauvegarde. Allez, ouf, je commence déjà à douter de ma descente à pied. Ah, oh, c'est rigolo, Arsenos qui fait du Elder Scrolls Online, du Tesso. C'est ce que je vais faire cet après-midi avec les copains. J'ai été invité par Miss Christella à faire ça cet après-midi. Bah, une pensée pour elle, parce que là, on est le matin, donc elle bosse. Mais elle aura son après-midi de disponible. Et j'aurai le plaisir de la rejoindre sur son invitation à poursuivre cet après-midi les aventures féeriques de Tesso. The Elder Scrolls Online. Ce sera bien. Alors... Ah, les victimes les plus proches. Je pense pas qu'ils aient des munitions pour moi. Ouais. Ah bah là, il y a une installation. Un peu trop bas. Ah, là, il y avait peut-être du matos. C'est vraiment pas de diamant. Évidemment, excellent poste de contrôle. Là, il y a un pont. Mmh.
la voilà, voilà. J'ai gagné, j'ai gagné. Ah oui, il y avait encore ça qui pouvait exploser. Vache. Munition. Ça pour mon snipe, c'est indispensable. Mon niveau santé, je suis indemne. Là, mais j'ai l'impression qu'ils se sont barrés. Du moins, c'est l'impression qu'ils me donnent. Hop, encore 5 autres balles de snipe. Ça fait plaisir. Non, bah pour ce qui est du reste. Alors, oulala, si je vais à la mine, je suis persuadé que je vais trouver du diamant. Ce qui est logique, vous me direz. Pas aller à pied quand même au prochain poste de contrôle à libérer. Peut-être y aller en bagnole. Pardon. Ah, j'ai envie de rejoindre la route en contrebas, mais. Enfin, si on peut appeler ça la route. C'est pas la route. C'est pas la route. C'est un bonheur. Allez, grimpe la petite, grimpe. Voilà, la route elle est là. Ah. Ah. Je sauvegarde à nouveau, pardon. C'est pas élégant de faire comme ça, mais bon. Comme je suis coincé avec la technique et la sauvegarde rapide qui ne veut plus fonctionner ce matin. Que j'ai pas recommencé mon magnification. Je procède de la sorte. Oh, il y avait du miam. Il est coupé de la viande. Il est coupé de la viande. Et il n'y a pas de diamant, chaque n'y a pas. Oula. Interdit toi-même, oui. Ouais, je vois le mec. Attends. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire au tir. Je peux. Bah merde, ça a pas l'air de prendre feu. Oh. Je suis déception. Merci. Voilà.
Ah, j'ai merdé une balle sur deux, mais bon, moi j'ai éliminé trois mercenaires. Diamant dans tes dents. Dadidadidi dedans. La suite. Il me reste un poste à libérer au nord, mais il y a la dite mine qui m'intéresse. La mine. D'accord, je pense à quasi du tour en fait. Passer par là-bas. Par là? Carrefour, attendez, il va y avoir du monde. Non? Pas de comité d'accueil. Surprenant. Surprenant. Quelque chose me dit que d'y aller à pied serait une bonne idée. Je vais essayer de me faire discret. Pipeline. Tiens, tiens. Un vague souvenir du pipeline. Ça pouvait être sport, cet endroit. Alors, la mine, la mine, la mine. Ah, bifurcation, intersection, d'accord. Oula. Qu'est-ce que je vois? Ah, c'est un panneau directeur. Enfin, de direction. Le diamant s'excite pas? Enfin, le détecteur de diamants dirait. Forcément quelqu'un. Tu vas pas me dire que la mine est abandonnée. Je m'y refuse à y croire. C'est un beau bordel par ici. Personne? Bah. Alors ça, pour une surprise, c'en est une. Ils sont tous barrés. Ce qui est... Le calme est dérangeant. De... Bah merde alors. Ah, diamant tout proche. Oh, ça doit être sur le toit. Ça doit être sur le toit. Mais... Comment que ce soit pas un peu le sol. J'ai entendu quelque chose.
Ah. Je m'en occupe, il est à moi. Oserais-je dire, je préfère ça. Ah oui, je me sentais seul là. Ah, ils sont où ces niveaux? Ah, là peut-être. Ah oui! Mais qui c'est? Bordel, c'est eux! C'est ça, ouais! On se met à couvert! Attention! Je le vois, là-bas! On se calme dans un coin et on se débarrasse! Là-bas! Il faut arrêter ça. Allons-y alors. Recharge, couvre-moi. Oh, ouais, qui m'ont bien allumé les vilains. C'est fou ça. Donc du coup, oui, si je peux avancer avec mon véhicule discrètement, mais je peux avancer. Voilà, j'accélère plus, je me laisse glisser par la porte. En rime. Bonjour monsieur. Voilà. Efficace. Une nouvelle fois. Ah merde, je suis repéré là. J'ai un groupe électrogène avec moi, faut que je fasse gaffe, ça peut exploser. Personne ? Il est là ! Recharge, couvre-moi ! Ouais, là tu as pété le feu, mec. Mais qui sont ces types? Merde, il essaie de m'allumer à travers les murs, lui. Et ça va plutôt lui réussir. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a le feu! C'est lui! Il faut que je me maintenant! Ah oui, ça flambe un peu trop là. Ouch! Je suis prise à mon propre piège. Ah, soupir. Oh merde. Il est quelque part là. On reste au poste. On s'en fout de tirer l'œil. Pris à mon propre piège. Ils ont perdu celui qui nous avait attaqué. C'est pas bon. On devrait peut-être se joindre à eux. Tu pars. Bien essayé, mais ce n'est pas valable. Oh, ils sont chiants avec leur. J'ai soif.
quoi? Hein? On va vérifier. Merde! C'est violent! Ils attaquent à ton poste! Tu veux que je te flanque? Avec ce gold piece! Il est là, qu'est-ce qu'on fait? À ton avis, on se met à couvert! Descends-le, espèce d'abruti! J'en peux plus de ce merdier! Je vais te couvrir, t'es prêt? Mais il s'est ouvert, je quitte avec le flint! Mais qui sont ces tirs? Forcément, il adore. Ah, peut-être que je varie un peu dans mon assaut, moi. L'idéal est de bien faire flamber, hein. C'est horrible, mais l'idée de l'incendie fonctionne très bien. Je sais plus. Ah non, j'ai un petit canon de mitrailleuse pour un truc de 11 grenades, dommage. Dommage, dommage, mais au contraire, ça peut être très drôle. Allez, la pente naturelle sans accélérer, ça fonctionne bien. C'est un strike là, visiblement. Il y avait pas de bouteille d'eau ici? Il est temps de mourir, connard! Ah ouais, on va là pour le chercher! Tu en prêtes, hein? Où est parti? Il est quelque part par ici! Où est qui? Vite! Il est passé par là! Il pourrait être n'importe où! Franchement, Akina! Reste à ton poste! Par là! Ils ont lancé une attaque! Ici! Ouais! Vache! Donc il m'allume alors que moi j'arrive pas à le voir! La végétation est à son avantage. Pour le coup. Bon. Sérieusement, comment gérer cet assaut? Comment gérer cet assaut? Meister et bol de gomme. Comment gérer cet assaut? Gentil. Monsieur Oufel. Mon dieu. Je n'avais pas vu cette affiche, elle est pas mal. Oula. Merde, oh, j'ai loupé alors qu'il était devant moi. Ah oui, je vais mourir. Pas facile. Non, je pense qu'il faut que je fasse comme la fois précédente. Il faut que je trouve un point en amont et que je les fasse cuire. C'est horrible, mais comme je suis déjà amusé à tirer sur le bidon de... Attendez, pardon, j'ai mis une madeleine de petit-déj. Bidon explosif.
Donc, je vais garer plutôt le véhicule ici. Et je vais grimper sur la colline. En espérant que le jeu me permette ce type d'assaut, c'est pas sûr. Je n'ai pas une certitude. Je ne perds pas espoir. Espoir. Oh la vache, cette jungle. Oh, petit repéré, vas-y. C'est par là-bas, mais... Ah. Ou alors... Ah merde, non, j'ai plus de munitions de lance-fusée. Ah, le con. Dommage. Oui, dans 10 minutes, un quart d'heure, y'a pas de soucis, petit Seb. Y'a aucun souci. Voilà, oh, c'est terminé. Ouais! Bon, et il est cueilli comme une fleur, comme d'hab. En qui de qui, petit Seb? Papa, 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 papa. Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être balèze. Ou alors je neutralise tout de suite leur véhicule. Oui, merci. Non, mais l'assaut de la mine est balèze. C'est un sacré challenge. Mais à mon avis, je vais pas réussir aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Là. Donc, je sauvegarderai volontiers. Au moins, ce ne sera plus à faire. Parce que le temps que je fasse flamber tout ça, ils vont me mettre le grappin dessus avec leurs unités mobiles, avec les véhicules. Donc, ouais, puis si ça accepte de flamber. Ah, dans les médias, c'est pas le cas. Oh bah merde. Caisse de munitions qui est pas mal. Je vais bien me précipiter parce que comme il garde mal l'endroit. Par là, il est de ce côté. Il y a de la vie. Merde, on dirait que merde, on se passe pas ensemble. Il y a une attaque. Il faut arrêter ça. Occupe-le, je vais le charger. Ben, je vais le charger, je vais le charger. Tellement mal. Dégage de là. En plus, il y a des balles qui ricochent, comme il y a beaucoup de métal. Attends, il est face à moi le gars qui m'a tiré dessus ou quoi? Ah, d'accord, il était dans le. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi.
Mais je les ai plus mis en déroute que précédemment. Bon, faut dire aussi j'ai bien bougé, hein, tel un serpent qui... J'ai fait la technique, la méthode du serpent. Génial, même ma sauvegarde ne l'a pas prise. Oulalalala. Faut que je fasse une ménage en sauvegarde en antenne, hein. Ça va être bien chiant et ça va être un mal nécessaire. Putain, ils m'ont pas vu, c'est con. Je me sers dans la munition, ils m'ont même pas vu, ces idiots. La fertilité. Si tu cherches à le venger, tu n'es pas la bonne personne, ok? C'est cool, mon gars, tout est cool. C'était un cauchemar, mais tu veux dire. Y'a de la. Oh le con! Oh le con! Oh! Ah, je m'attendais pas à une telle scène! Oh la vache, comment qu'il a giclé sous mes yeux, le mec! Et en plus, je pense que c'était le colonel parce qu'il avait le béret rouge. Waouh! Mais comment ils réalisent des tirs fratricides, les mecs? Ils sont ultra nerveux. Eh ben, ça fera un beau clip quand je revisionnerai ça à l'occasion. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, les nigos. Mais je suis trop content d'être parvenu. Là, c'était la méthode du félin. De... dans les lignes ennemies sans me faire repérer, la fertilité c'était trop classe. J'étais trop la classe, j'ai adoré. J'ai fait mon Sam Fisher à la Splinter Cell. C'était cool. Avec du rhododendron. Évidemment, chaque fois que je vois du rhododendron, j'ai une pensée pour Sim. Le regretté Sim. J'aime pas le rhododendron. Ah merde, lui il a cassé son poste. Bien essayé, très violent. Et en rechargeant la partie, en fait, ils étaient pas à la même position que tout à l'heure. Merde, c'est aléatoire à chaque rechargement de partie, c'est fou quand même. C'est fou. Dur, l'assaut de la mine. Il faudrait vraiment que je sois armé à la Rambo. Bon, vous me direz, j'ai le véhicule avec munitions illimitées à la mitrailleuse. Niveau discrétion, je vais me faire descendre la balade. Allez, hop, je m'arrête là, tant pis contre l'arme. J'y vais au culot. J'y vais au culot. Non, ils sont pas. J'en peux plus de ce merdier. Je vais te couvrir, t'es prêt? Alors, si je retourne dans la baraque, on en sort. Oula, j'ai glissé avec le tonneau, j'ai fait non. Tu vas mourir. Hey,
Ah, tu vas lancer, ok, c'est bon. Allez, je laisse bien cuire, et puis c'est un peu. Ah non, ça a pas payé. Ah, c'est trop cool, mais... Mais je suis là, Ninuche. J'étais là, mon gars. Eh oh, les mecs. Ça sent mauvais. Il faut aller aider. Attention, on se remplit. Tu pars, allez, avance. Hey, c'est cinglé ou quoi? Je dis avance, ouvre le feu. Allez, mec, allons-y. Non, maintiens ta position. Tu veux te faire planter? Vous voulez marquer? Il est quelque part par ici. Je suis parti là où c'est pris. Nani. Oh, j'ai une préfigure qui est au coffre-fort, donc stylé. Oh, il y a le chauffage central qui fonctionne plein gaz. Ouch, ah oui, là je vais avoir chaud. Là. Ouh là là, attention. Ah, petit Seb a lancé. Je vais te rejoindre pour le Starbound. Pour le Starbound. Merde! Ah oui, il y a un sniper là. Attention! Ah merde! Oh non mais hey, ils sont 50. Allez, on va faire du Starbound. Ils sont 50, l'assaut est impossible. De cette manière là. C'est même presque héroïque d'ailleurs que je sois parvenu à tenir jusque là. Ils sont vraiment nombreux, un truc de... Avec petit Seb. Harcèlement, je t'appelais en vocal Discord. Oh, c'est gentil. Il y en a dans mon Discord qui dit bonjour le matin. Bonjour tout le monde. Qui dit, voilà, j'ai déjà des messages privés. Alors, changement de catégorie.